Ah, le maquis, deuxième peau des stars, séance obligée de leur moindre sortie. Chaque actrice a son maquilleur, ses petites habitudes, mais bonne nouvelle, pas besoin d'être une célébrité pour ressembler à une reine de beauté. Il existe des experts pour vous sublimer, mesdames. C'est le cas de Christophe Durand, créateur de maquillage de stars, précurseur de tendance, complice des artistes. Désormais, grâce à lui, vous saurez choisir d'oser étaler votre make-up sans avoir peur de sortir peinture lurée. Vous saurez d'où vient cette poudre magique, ses fards incroyables, ses glosses ultra brillants. Rencontre avec un artiste du pinceau qui n'a pas dit son dernier mot. Paris, tôt le matin, séance maquillage pour la comédienne Horatica. Je sors du lit. Je sors du lit et hop. Tous les matins, je me fais le teint. Avant le pain, je me fais le teint. Au pinceau, une star du maquillage, un artiste du make-up, celui qu'on s'arrache dans le monde entier, Christophe Durand. Et là, on est sur un maquillage qui se voit pas du tout, mais qui a pour but, dans la subtilité, d'utiliser des matières pour faire ressortir certains aspects ou lisser d'autres aspects. Christophe travaille aujourd'hui avec le photographe Thibaut Graber. Ensemble, ils ont imaginé une exposition de portraits très grand format, consacrée uniquement aux comédiennes. Son titre, Les yeux dans les yeux. Je m'applique sur le détail parce que c'est un très gros plan après et il a une manière de shooter qui a énormément de piqué. Et l'autre fois, par exemple, on avait vu, il restait juste un peu de talc sur les cils, ça fait poudreux, c'est pas beau, ça étouffe. Alors que tu vois, quand c'est en grand, que là, c'est vraiment important qu'on ait une vraiment jolie texture partout. Horatica donc, mais aussi Marie-Lou Berry, Catherine Fro, Julie Depardieu, Élodie Navarre, Charlotte Rampling ont posé entre autres sous les spots du photographe, avec seulement une vague idée de ce que donnera le résultat final. C'est déprimant, hein, comme ça. À l'inverse, quand on fait une photo normale... Tu vas passer tout ce qui va pas, quand même. Bah oui. C'est pour ça que je veux pas que vous les regardiez, normalement. Je regarde pas, je vois. Je vois. Je ne regarde pas. Et ce qu'elles ont pu découvrir le jour du shooting n'a rien à voir avec les tirages d'1,50 m de haut qu'admireront les visiteurs le jour de l'exposition. Après traitement des images, seule la bouche et les yeux des comédiennes s'imposent dans l'œuvre. Le travail de Christophe est extrêmement mis en valeur. L'espace du visage d'une femme, c'est très intime. Avec des maquilleurs comme ça, très techniques et qui maîtrisent vraiment, c'est qu'on est complètement en confiance et du coup aucune réticence, on est prêt à tout. Je sais pas comment dire, il y a une manière de regarder l'autre aussi. Oui, ou sublimer ou pas. Des célébrités, Christophe Durand en a sublimé des centaines pour des défilés, des publicités ou encore des unes de magazines. Des sportifs sont passés entre ses mains expertes, Tiger Woods, Kimi Raikkonen ou Maria Sharapova. Des comédiennes comme Gong Li, Emmanuelle Seigné, Marianne Denicourt ou Maggie Cheung pour ne citer qu'elles. Les plus grands top modèles français ou internationaux sont aussi passés entre ses mains. Cameron, Sarah Marshall, Estelle Lefébure, Eva Herzigova entre autres. Sylvie Tellier, la Miss France 2002, en a fait son coiffeur et maquilleur officiel. Du coup, il a même un agent comme les stars elles-mêmes. Il fait beaucoup de choses, c'est rare, hein, des cas comme Christophe, il y a pas de truc. Mais c'est ce qu'on aime aussi chez lui, c'est que voilà, il fait plein de choses et il les fait bien. C'est-à-dire qu'il les fait, c'est pas il les commence et il les finit pas. C'est voilà, il va au bout des choses. Alors c'est vrai que ça peut faire peur, hein, et des gens qui peuvent se dire oh là là, il fait tellement de choses. Maintenant justement, il sait s'entourer, je pense. Et il court à longueur de journée, Christophe. Il est donc coiffeur et maquilleur, mais aussi directeur artistique pour des photos ou des événements de mode. Il a travaillé pour Kenzo, Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, ainsi que des grandes marques de joaillerie et d'horlogerie. Mais il est aussi et surtout créateur de maquillage pour deux marques de cosmétiques. Ces maquillages, il en supervise la création et la fabrication de la première idée à la commercialisation. Ils ne sont qu'une quinzaine en Europe à exercer ce métier. Ouais. Bonjour Christophe, on peut Bonjour se voir Karine. Sur le brief éclat. Super. Donc en fait, c'est un nouveau fond de teint. Ouais. Dont le bénéfice est l'éclat.
D'accord. Il a une cure de fruits à l'intérieur, booster d'éclat. Donc on part beaucoup dans l'univers du melon, l'abricot. Super, ça va être un peu fruité. Bonne mine, qui va évoquer exactement. Le côté santé en fait aussi du produit. Tout à fait. Ouais, génial. On peut donner une homogénéité dans le reflet avec des différences de clarté et essayer de décliner en fait le même reflet qui soit un reflet qui soit légèrement doré, en fait un beige légèrement doré. Au niveau texture, on aimerait bien avoir une texture qui soit très fondante en fait. Au niveau parfum, ça va être comment ? Alors en fait, on a briefé un nouveau parfumage qui est dans l'univers des fruits en fait. Donc on aimerait bien quelque chose un peu qui fasse pêche abricot, d'accord. Entre le premier brief et la commercialisation d'une gamme s'écoule 12 à 18 mois, plus d'une année pendant laquelle Christophe organise et supervise chaque étape. Et tout commence toujours de la même manière, avec du papier et des couleurs, le make-up director fait du coloriage. Il cherche ensuite les produits qui permettront de composer la teinte recherchée. On a ce qu'on appelle d'abord un corps, qui est un corps blanc, par exemple pour tout ce qui est crème, qui est un liquide plus ou moins visqueux. Et pour les poudres, c'est des liants. D'accord, admettons. Et à ça, on ajoute alors plein de choses. Donc parfois, on n'imagine même pas, parce que dans des fonds de teint, on a des choses aussi comme ça, qui sont vraiment des pigments. Alors des pigments, des nacres, des micas, des oxydes de fer, du bismuth pour le glissant, du titane pour blanchir, des talcs. Voilà les ingrédients en gros de la cosmétique classique. Mais c'est les mêmes produits qui sont utilisés aussi parfois dans des choses alimentaires. On se retrouve pour avoir un yaourt qui est joli et qui a un bel aspect. On va l'enrichir de nacre à l'intérieur. C'est des choses vraiment, c'est des ingrédients de base là, hein, vraiment. Une fois les ingrédients choisis, des prototypes sont élaborés et soumis au créateur. Ensuite vient le moment de l'analyse critique avec ses assistantes. Attends, on va allumer la lumière jour, qu'on les valide quand même à une lumière conforme. C'est surtout les teintes en fait qu'il faut regarder. Tac. Ce jour-là, Christophe teste 11 nuances pour la gamme baptisée Éclat et il est primordial de voir comment chaque nuance réagit sur différents types de peau. Bon, la 1, je la trouve un peu trop rosée. Ok. Moi, je la ferai un peu moins rose. Un peu plus jaune. La 2, parce que la 2 aussi, elle a une dominante qui est presque un peu rosée, t'as vu ? Alors, peut-être moins sur toi. Hein. Et non, celle-ci, elle monte beaucoup en rouge. L'avant-dernière, là aussi, celle-ci. Faut la dérougir, la 9. Et Christophe est intransigeant. Au final, sur les 11 propositions, 8 seulement partiront en fabrication. Quelques étages plus bas, le responsable couleur et tendance de la grande marque change de costume. Cette fois-ci, il est directeur maquillage d'une nouvelle marque, une marque bio. Bref, là, c'est carrément le boss. Nous, on était plutôt... Dans l'idée d'amener quelque chose qui soit une vraie histoire de maquillage construite sur 3 axes. C'est être éco-conscient et éco-concerné en ayant des produits qui soient le plus sain possible pour la peau, le plus sain pour l'environnement, le moins polluant, etc. Donc déjà, d'abord, l'histoire a été construite comme ça. Ensuite, deux, c'est d'être proche de la femme, mais dans tout le respect qu'on peut amener à la femme, c'est-à-dire avec toute l'humilité qu'on peut avoir, de juste essayer de révéler ce qu'il y a de beau chez une femme plutôt que de voir la transformer. Et le troisième axe, on veut rester sur cette histoire d'intuitive make-up. Tout se mélange, tu peux aller les yeux fermés, ça vraiment on le teste mais non-stop. Je prends Charlotte, je lui prends n'importe quelle couleur. Tiens ça, moi je suis attiré par celle-ci, je vais lui mettre sur les lèvres et tu vas pas du tout te retrouver avec quelque chose qui a un risque de faire une faute de goût. Être belle en toutes circonstances, vous en rêviez, Christophe l'a créé. Pour le lancement de la marque, Christophe a créé 19 produits déclinés en 128 références. Et à peine mis sur le marché, il prépare déjà la présentation d'une seconde gamme. Aujourd'hui, il découvre d'ailleurs les résultats de ses créations après fabrication industrielle. Et comme d'habitude, il teste grandeur nature. Tu vois ? Waouh ! L'an passé, Christophe Durand a créé des dizaines de produits, des fonds de teint, des mascaras, des ombres à paupières, des glosses et des rouges à lèvres. Et lorsqu'un an après le premier brief et toutes les étapes de la fabrication, sa gamme se retrouve en rayon, forcément, la satisfaction est immense. Regarde. Super. T'as les 8 la gamme est vachement bien. Et l'anti-cerne. Tac.
T'as vu, elles se font bien. Ah ouais, là on a une texture qui est vraiment très bien. Regarde. Merci, ah ouais, la pub, en ça En plus, c'est la pub montée. Ah ouais, alors j'adore. Hein. Plus 70% d'éclat. Bon bah écoute, c'est super. Yes, on a une gamme. Bon bah vivement de l'avoir sur les points de vente. Ouais. Hein? Et même j'irai plus loin dans la salle de bain des consommatrices. Salle de bain des consommatrices. Mais avant ça, il l'embarque déjà dans sa mallette pour l'appliquer sur ses shootings de mode. Quant à vous, mesdames, vous savez dorénavant que quelqu'un a fait tout ça rien que pour vos yeux.